Barcelone, Barcelone, Barcelone. Toi, Paris, Paris, dominant fait noir, soya. Tap Tap Sin, téléchargez l'application Tap Tap Sin sur Google Play Store ou bien App Store pour voir l'argent by famille ou ex-amis qui en Haïti. Famille ou bien amis qui en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. Ou même quand vous États-Unis, Canada, France, pour me citer pays, ça ou seulement télécharger l'application sur Google Play Store, absorbe ou éligible. C'est quand débit ou a besoin pour faire transaction. Utilisez pour mon code KIMHAITI, K-I-M-H-A-I-T-I, ou a gagné $15 sur première transaction. L'automobile. Téléchargez l'application de l'automobile sur Google Play Store pour capable placer Paris sportif. Paris simple, Paris multiple, Paris combo, et puis l'autofoot qui se mariage bolette avec un match football. Stream4 TV, c'est compagnie ça qui permet ou garder match football ou sans problème. Bing Sport, RMC, ESPN, Fox, c'est Stream4 TV. Relez le numéro ça, 912-436-0222. WAB Fontaine Immigration Service, c'est Betty Fontaine. Betty Fontaine, c'est spécialiste en immigration. Tout ça qui est pour ouais avec immigration, asile politique, TPS, résidence, c'est Betty Fontaine. Compagnie basée du code de Fort Lauderdale. Relez le numéro ça, 754-740-43-99. Paris Saint-Germain, t'as joué contre Barcelone. Dans le Parc des Princes, Paris perdu 3-2. Paris abdormi dans fait noir à Souéa après défaite ça contre l'équipe FC Barcelone. 11 de départ, tous les deux équipes football ça yo. Donnarumma t'es dans camp, c'est titulaire là. Marquinhos latéral dans place Achraf Hakimi. Et Lucas Hernandez, Beraldo, Nuno Mendes, c'est comme ça l'équipe Paris entier. Gagne qui gagne Lich, Vitinha, Fabian Ruiz, Dembélé, Asensio, Mbappé. Donc Paris Saint-Germain était joué sans yon médian récupérateur. Type. Pour l'équipe Barcelone, nous t'es déjà annoncé comment Barcelone a campé. C'est officiel que c'est comme ça. J'ai nous t'ai annoncé la Barcelone campé avec Xavi, avec Koundé, Cancelo, Gubarsi, Araújo, Gundogan, Roberto, les juger que on est avec Christensen était trop juste et Frankie de Jong était commencé. Rafinha, Lewandowski ajouté avec Lamine. C'est comme ça que FC Barcelone était campé. Cinq premières minutes match football là, c'était cinq premières minutes Paris. Il pressure Barcelone très haut, Barcelone était en pleine difficulté pour le sortir avec ballon. Hein. Barcelone, à la sixième minute de jeu, était capable de faire goal. Un dégagement de Ter Stegen. Ballon, tout vient servir comme une passe. Et qui mettait Rafinha face à face avec le goalkeeper. Eh bien, Rafinha passe, shooté direct. Il était que ballon pour le passer dans le jambe gardien, mais jambe monsieur fermé. Intervention de Donnarumma, le centre d'ab joué, sixième minute de jeu. Mais si vous prenez 15 premières minutes, à part de action, ça me parle pour l'équipe FC Barcelone dans la 6e minute de jeu. Mais c'était l'équipe Paris Saint-Germain qui était plus dangereuse comme équipe. Première frappe cadrée pour l'équipe Paris Saint-Germain, c'est la 7e minute de jeu qui gagne le lit. Arrêt de Ter Stegen, pas de gain danger. Et monsieur capte ballon normal, sans difficulté. 10e minute de jeu, on frappe de Asensio, un petit peu excentré. Sur la droite, frappe de Asensio, capté par Marc-André Ter Stegen. 19e minute de jeu, gagnons une très bonne intervention de Ronald Araújo. Après un très bon travail de Nuno Mendes, qui faufile l'école, qui évite Jules Koundé, évite l'autre joueur qui est en face lien. Il fait frappe là, et bien Ronald Araújo, il tout colli. Barcelone gagne deux guerriers qui sont dans la chaîne centrale. Ronald Araújo avec Gubarsi. Belle intervention. Et dans Pierre Nuno Mendes, 19e minute de jeu. 20e minute de jeu, équipe Paris a été capable de prendre goal. On connaît de la gauche vers la droite. Mauvaise sortie de Donnarumma. On coup de tête de Robert Lewandowski. Ballon, coup de tête Lewandowski. Nuno Mendes sous ligne de but. Hein. Li et évite danger hein, pour l'équipe Paris Saint-Germain. Le retire ballon dans la zone dangereuse. 23e minute de jeu, gagnons
belle phase collective pour l'équipe FC Barcelone. Non, ma femme connaît que, à partir de la 20e minute de jeu, vient gon l'autre Barcelone. On l'autre Barcelone qui vient prendre beaucoup plus de risques, contrairement à 15 premières minutes. Que me dit que c'est Paris Saint-Germain qui est plus dangereuse comme équipe. Barcelone vient gagner une meilleure gestion de ballon. Hein? Collectif Barcelone, non, t'es monté deux crans. Dans l'organisation de jeu, dans la gestion ballon. Hein? Et 23e minute de jeu, il y a une belle phase collective pour l'équipe FC Barcelone qui débouchait par une belle frappe pied gauche de Rafinha qui permet à goalkeeper équipe Paris Saint-Germain Donnarumma faire arrêt pour retirer le ballon. C'était quand même une très bonne occasion pour l'équipe FC Barcelone. 28e minute de jeu, il y a un changement de position pour Mbappé qui sortit sur le côté gauche là, calé sur le côté droit là, permuté. Il fait remise là pour qui gagne lui. Frappe de Lee, arrêt de Ter Stegen. Mais Mbappé, au moment que Lee a fait frappe là, Mbappé est en position avancée. Le Mbappé a joué ballon, Cancelo fait faute sur Mbappé. Mais, VAR arbitre là, jeu de touche, dit hey, Mbappé, au moment frappe Lee, est en position avancée. Mais si pas de position avancée, c'est une belle pénalité parce que Cancelo fait faute sur Mbappé. Barcelone va l'ouvrir score avec Rafinha, mais ça fait me content, hein? Le nous aime souri. C'est Goubert si qui passe là. Taou parce qu'il casse ligne là qui permet Barcelone face au jeu, qui permet Barcelone amorcer attaque là. Lewandowski changement de direction pour Lamine. Lamine fait extérieur pied gauche là. Mauvaise sortie de Donnarumma. Le ballon, moi, c'est une mauvaise sortie. Ouais, j'étais content. J'aime parler de Pas Goubert hein, qui mettait Barcelone face au jeu, qui permet l'équipe là, casser ligne. Le football américain, on tape 10 yards. Passe de l'extérieur de Lamine. Mauvaise sortie de Donnarumma. Et puis Rafinha, et intérieur pied, mettait ballon là quand. Hein? 1-0 pour l'équipe FC Barcelone. Première là, fini comme ça. Paris te gen ballon. Mais, le nom dit Paris te gen ballon, c'est yon équipe Paris Saint-Germain qui pas joué de Barcelone. Ça, c'est premier bagay là. Yon équipe Paris Saint-Germain qui gon jouet stéréotypé. Deuxième bagay là. Oui, Paris Saint-Germain fait 3 tirs cadrés en d'avoué période là. Mais, c'est des frappes qui mol, qui pas inquiété Ter Stegen. 7e minute de jeu, première frappe cadré, qui gagne li, arrêt de Ter Stegen. 13e minute de jeu, frappe Asensio, arrêt de Ter Stegen. Pas d'inquiétude sur frappe yo. Et puis, 28e minute de jeu, Mbappé change de position, li passe ballon pour qui gagne li, qui fait frappe l'arrêt de Ter Stegen. Nous sommes parlé de l'action ça qui était capable de pénalité, mais Mbappé était hors jeu. Paris va jouer de Barcelone. Avant match là, tout le monde est capable de constater Lamine. T'a parlé avec Xavi, on dit Xavi t'a parlé avec Lamine. Et puis Koundé, il était clair. Le pas de ballon petit garçon, faut défensivement ou aider latéral là. Double marquage là. Les pas même besoin de dire Rafinha, ça Rafinha, c'est un bosseur. Monsieur c'est bosser la bosser. Oui, il gagne pile déchet, on va parler de Rafinha, mais il était extraordinaire défensivement. Extraordinaire défensivement. Il aide Cancelo en pile. Parce que qui gagne lui, t'es de temps en temps en position ailier. Paris était clair, dans un faux 4-3-3, ou capable de dire un 4-2-4 avec qui gagne lui qui pratiquement en position ailier. Pour permettre de gagner supériorité numérique dans l'axe pour l'équipe football ça. On a parlé de l'équipe Paris Saint-Germain. Avec deux yo qui a monté deux crans. Avec Asensio, faux neuf. Quitte ou prend Rafinha ou prend Cancelo, c'était pratiquement même bagaille là sous côté droite là avec Jules Koundé et Lamine. Considérant clair. Double marquage là, joue en couverture. Même le Mbappé qui est ballon, il faut que lui toujours ait deux à trois joueurs qui viennent sous lui. Ailier gauche là,
t'as aidé latéral là, et stopper droit lui-même qui c'est Araújo qui a aidé. C'est ton premier période Barcelone était extrêmement appliqué. Barcelone était fait bon usage de ballon. Hein? La conservation était très bon. C'était une très bonne première période pour l'équipe Barcelone, avec une très mauvaise période pour l'équipe Paris Saint-Germain. Hein? Avec Barcelone qui était imposé par une bataille physique là. Intensité. C'est toujours très important, le ou non match football, côté que tous les deux entraîneurs connaissent exactement match là. Ils disent, ok, gagnez, faites, bon, corriger. Bonheur, le nom de retirer Marco Asensio. Qui font seul cop cadre. Il est rentré avec Barcola. Rentrer avec Barcola vient fait que Dembélé, c'est lui-même qui vient en position de faux neuf par moment. Li vin gen champ d'action sous bon Mbappé. Et bien c'est là oui, gol Paris Saint-Germain en fait. En action de Mbappé, centre mauvais renvoi et puis Dembélé fusillé Ter Stegen. M'pa konnen mais m'pa gen sensation que Ter Stegen sous deux goals Barcelone en kesi yo. M'pa gen sensation que Ter Stegen était correct. Même pas une sensation ça. Oui, frappe Dembélé à la avec un pile force, mais il plus paraît un goalkeeper qui a couru pour qui a couru en bas là. Ça, c'est sensation pam. Deuxième goal là, fait 3 minutes après, on dit 2 minutes après deuxième goal là, fait 50 minutes de jeu. Vitinha, buteur sous passe de Fabien Ruiz. Ballon par l'un coin assez pour t'acheter une bombe ça. Gen moun ki kapab d'accord que premier goal nan Ter Stegen pas coupable mais deuxième goal là moi convaincu sou ça parce que ballon pas fait coin assez changement porte fruit pour Luis Enrique et puis Barcelone de temps en temps son équipe qui comme ça leur bon premier goal ou senti gen moment pour équipe là down. Li prend deuxième goal, 50e minute de jeu. 54e minute de jeu, Barcelone manque prend goal. On frappe de Barcola, son belle passe en profondeur de Vitinha. Frappe de Barcola, même là tout, ballon frappé dans le ballon transversal, caché qui joue ballon, moi pas de senti. J'aime ce jeu ballon, moi ouais, t'es bon vague. Dans 4 Stegen, dans son action ça. Mais il joue ballon, c'est parce que le joueur qui fait, il y a allé sous poteau. Pas de perfection pour Ter Stegen dans le match. Surtout sur le deuxième goal là. Et puis, c'est ça où est tout, un entraîneur qui ouait que il doit répondre à la question que l'entraîneur adverse l'a posé. Xavi. Qui ça Xavi fait? Xavi ou wè gen impression, équipe li a pren pression, pas de presse l'an chauffé, Paris fait 2 goals rapides, coaching payant de la part de Loulou, qui repositionne Dembélé, et c'est dans le repositionnement Dembélé fait goal, et puis faut que Xavi te réponde. Qui ça Xavi fait? Il retire la mine, qui dépense en pile énergie, pour aider latéral là, la mine était très bas souterrain. Pas oublier le gain 16 ans. Mais c'était plus son travail défensif que M. Tap fait. Il rentrait avec Félix. Expérience, maturité, tout le monde comme ça. Qui dit rentrer avec Félix? Vin repositionner Rafinha. Qui tape juste sur côté gauche, la mine sur côté droite là. Félix vient rentrer juste sur côté gauche là. Rafinha repositionné, il vient juste sur côté droite là. Côté la mine de ya. Et puis il retire Roberto. Lui rentre. A Pedri. Pas oublier Roberto de gen carton. Pas oublier équipe Paris Saint-Germain tape asphyxié Barcelone. De ce fait, ou t'es besoin yon élément kaken bi ballon. Ni Félix, ni
Pedri, c'est deux types de joueurs, ça. Ça va permettre que l'équipe est essoufflée. Après 20 tempêtes que Paris était largué sous l'équipe FC Barcelone. C'est ça, l'été. 20 tempêtes que Paris largué sous l'équipe FC Barcelone. C'est gol de Mbélia, 1-1. Gol Vitinha, 2-1. Et action que tu es capable, 3-1 de Bakula. Eh bien, ça vient de faire changement ça. Conservation ballon, hein? Gestion ballon, hein? Yon meilleur usage de ballon sur le plan technique au niveau du milieu parce que Barcelone qui commence à perdre du bataille derrière avec Vitinha et Fabien Ruiz qui t'a monté deux camps techniquement et sur le plan intensité. Et puis, Pedri, changement fait, monsieur crié, on passe. Yon bataille comme peut-être très important. Tout le monde qui qu'on aime, toujours garde vidéo, certainement n'a pas songé de dire ça. Lavinia, c'est un joueur qui pique qu'on fait appel du bal. Parce que, autant que vous félicitez Pedri pour passer là, mais il faut que vous félicitez appel du bal là. Est-ce que nous songez, Matza, côté Lavinia, fait goal pour l'équipe FC Barcelone, sous on passe comme ça de Wao Félix? Là, il fait goal tête là, il défend premier goal, orbite Pabali à cause au jeu, c'est ton faux au jeu. Et puis, Rafinha fait appel de balle là, en profondeur. Félix, passeur. Oui, belle passe de Félix. Oui, belle passe de Pedri. Qui change le match là. Mais, bel appel de balle tout de Rafinha. Parce que pas gagné passe décisive là sans appel de balle là. Demandeur là. Qui buteur là, il y a importance, pas oui, pas sur l'an, fait preuve d'agilité, technicité, dosage, passe l'an pour le jouer demandeur là, mais demandeur là, c'est parce que il concoute pour le placer le jeu de ballon. Monsieur fouette ballon, hein. Fouette le. 2-2, bel coaching pour Zavi. Qu'est-ce que vous faites encore? On l'autre coaching payant. Hein? Monsieur rentré, Christensen retiré de Jong à peine tourné. Christensen, depuis quelques temps là, c'est dans le terrain Barcelone Metel. Barcelone besoin solidité au niveau du milieu, besoin intensité. Limiter Christensen pour porter épaisseur pour l'équipe là. Ça aussi, c'est coaching. Et puis, même Christensen qui rentre 66e minute de jeu, lui fait goal tête. 77e minute de jeu. À la chute, donc on est de la gauche vers la droite. Donnarumma était plaqué devant quand il n'est pas sorti. Marquinhos font fly tête. Et puis Christensen fait goal. C'est ça, lui, oui. Donnarumma pas sorti, Donnarumma doit sortir. Parce que c'est dans la surface qui a un goal en fait. Donnarumma doit sortir. Qu'est-ce que Donnarumma pas safe dans le match? Oui, Marquinhos fait fly tête là. Mais on a une surface, c'est que vous maîtriser. Je ne suis pas sorti. 3-2 pour l'équipe et FC Barcelone. Le SA, nous avons joué 77e minute de jeu. Mais Barcelone, 71e minute de jeu, bien avant goal, Christensen n'était capable de prendre goal. Vitinha pour beaucoup là. Belle intervention de Ronald Araújo qui joue un très bon match défensif. Ça, son intervention colossale de Araújo. J'en étais fait dans le pied de Nuno Mendes. Dembélé frappe en bout de ce poteau. Tu as une position avancée, mais parce que tu as retourné sur l'action, sur l'intérieur pied de Dembélé. Barcelone gagne le match 3-2. Jean Jazio toujours dit bon mon petit monito. Bon mon petit Mbappé. Al Khalil, monsieur. Al Khalil. Attends, putain. Passe à côté dans le match, je dis. Carlo Mbappé. Avant match, moi te dit.
Défi numéro 1 équipe FC Barcelone, c'est Kylian Mbappé. Ça veut dire valable pour tout gros joueur de football. Joueur qui donne jouer. Jodi là, Pep Guardiola réfléchit comment la gérer match retour là avec Vinicius. C'est comme ça était tout pour Messi, c'est comme ça était pour Cristiano, joueur qui plus fort, qui plus dangereux, donc faut gagner antidote lui. Mbappé va bon même. Parce que, on va être très clair. Lorsque c'est pour mettre costume. Parce que, échec équipe là, responsabilité, hein, c'est vous-même. Parce que succès, c'est vous-même. Parce que généralement, c'est vous-même qui fait le gain. Donc, si vous passez à côté, c'est un flé pour mon flou avec Saint-Yon. Vous passez à côté. Pas mon tir regardé pour Mbappé. Mais c'était quand même une grosse équipe Barcelone défensivement. Barcelone était un temps faible. Parce que Paris a un temps fort en 47e, on dit l'œil égalisé, jusqu'à la 54e minute de jeu. C'était un temps fort Paris. Changement à vie, le chambre des matchs là, tactiquement. Mais Mbappé passe à côté dans le match. Parce que c'est. Est-ce qu'il n'y a pas jeune ballon? Oui, il joue un ballon. Il joue un ballon dans la zone de rupture. Il n'y a pas joué un ballon pour non faire transition parce que Barcelone pas mettre dans la situation à tout. Parce que Paris n'a pas joué de Barcelone. Barcelone n'a pas jamais à découvrir le match. Parce que c'est très important. Barcelone n'a pas jamais découvert tête li dans le match là. C'est pas une équipe qui découvre tête li. Donc Mbappé pas dans situation tout pour tenir une transition rapide pour tenir un contre un pour tenir en supériorité, pas de ça. Et c'est ça qui fait oui, Lamine pas porter contribution offensive que mon tape tannan, mais défensivement Lamine te poté sous couloir droit avec ses couloir gauche Mbappé. Ça te très bon. Le fait que Dembélé vienne changer position, vienne poté diversion, avec Mbappé et Dembélé vienne diversion, mais c'était quand même Mbappé qui était mauvais dans le match là. Avec quand même un très gros travail collectif pour l'équipe FC Barcelone. Son gros équipe collectif jodi a. Tu es qui te dit que, je dis, mais Mbappé mérite un peu de cette dans le réel d'ol. Gavi, pas Gavi pour Diabo. Comme Folte là, oui, tu as ça. Mais il finit par I. Pedri, comme joueur football, lui a vivre un moment. Que mentalement, il doit être fort pour le capable de rebondir. À chaque fois que nous voyons lui, on dit waouh, ça c'est un autre joueur parmi les jeunes joueurs. Justesse technique, qualité passe, qualité dribble, bas joueur de tempo, pour un jeune joueur de 21 ans, c'est extra. Mais qui ça fait Pedri pas capable lui? L'homme dit Pedri pas capable lui, hein, pour la jouer tout le temps. Blessure. Chaque fois qu'il commence, il retourne à l'infirmerie. Mais quand il y a 6 joueurs, ça colle, permet lui. Rester sous terrain régulièrement. Même les balles qui ont fait pour l'autre milieu de terrain, Bellingham, Mouzia, c'est même les balles. Ça n'aurait pas les techniques, le rapport avec ballon, vision de jeu. Pedri devant jouer ça, yo. Quand il y a un dernier parti terrain, fait goal, oui. Mais quand il y a qualité technique, rapport avec ballon, gestion ballon, Pedri, puis qu'on joue passé. Mais quand il y a là, puis qu'on joue en tout, il n'y a pas capable de briter seulement dans la potentialité, il faut qu'on capable de répéter le souterrain. Mais où est-ce que tu éclair? Où est-ce que tu génie? Mais problème blessure fait que le joueur n'a pas répondre. Souterrain. Rafinha.
Rafinha, moi t'ai remé Rafinha en pile, c'est pas pour ça qu'ils ont le meilleur jeu match là. Rafinha t'ai qu'il n'a pas fait deux, pas fait deux goals. Pas fait un goal dans match. Et puis moi remé. Là c'est qui ça joue à côté. Rafinha dans match ça, t'es extraordinaire tous les deux côtés du terrain. Défense attaque. Lié demi de terrain. Lié des latéral là et en attaque il fait du goal. Rafinha était extraordinaire défensivement tous les deux côtés du terrain. Gion l'autre joueur encore qui était bon. Lewandowski. Lewandowski pas fait goal. Mais Lewandowski était bon, ça fait Lewandowski était bon. Lewandowski décroché en pile. Lui permettre Barcelone remonter le lui-même do au jeu le faciliter équipe dans la tâche, lui dézoner, lui participer dans construction et élaboration joué de Barcelone. C'est ça Alan ba gagné comme jeu football. C'est ça Benzema gagné comme jeu football. Lewandowski était bon, qu'on a comme neuf, nous besoin goal, gon sent qui fait. Son coup de tête, il mal fait tête là. OK? Mais qu'on y a soit prend match Lewandowski en soi, permettre bloc là remonter. Li à l'origine de goal Rafinha, changement de direction pour Lamine. Li décrocher le participer dans l'élaboration dans la construction. Football là pas seulement goal, gagner activité avec ballon, gagner activité sans ballon et Lewandowski était bon dans match ça. Dans activité avec ballon, dans activité sans ballon. Et puis Zavi. Les appels, la fête dans ciel, les appels, la fête dans ciel. Eh bien, c'est chanter pour me chanter pour Zavi. Oui. Qu'est-ce que ça gagne dans la vie? Pour critiquer, là, pour critiquer. Là, ouais, qui critique qui doit faire, pas critique pour détruire, mais critique qui capable permettre des améliorations. Le coup n'y est là où jouer pour féliciter. Faut qu'on félicite. Au regard de ça, moun kote qu'on a critiqué parce que côté ou on bagay ba bon, eh bien, sou el bon. Sa vie son coaching payant. Monsieur Kale Loulou Enrique, mon lot nek baton encore. Monsieur Kale Loulou Enrique, avec Martinette. Monsieur Fel Loulou Enrique, paye à Ougas li. Paye à Ougas parce que li juge que la joue avec Barcelone, mon équipe, quand, il pas joué avec média défensif type. OK, il voulait gagner ballon. Hein? Barcelone mettait Sergio Beto. Barcelone agressif, empêché Paris développer jouet li. Barcelone je suis les côtés défensivement, Barcelone était extraordinaire dans jouet sous côté. T'es toujours gagné connexion entre latéral là avec Elien le bagne ballon. Hein? Et même milieu relé yo droite et gauche yo yo coulisse tout pour faire premier marquage là ça c'était une équipe qui t'a gagné contrôle tant fait Barcelone c'est deux goals plus potoa que le prend mais qu'on est en termes de gestion c'était gros causé et puis gessa ou les lectures du match Xavi t'a fait une très bonne lecture match là. Comment on peut juger que l'entraîneur a fait lecture match là? C'est parce qu'on regarde où est avec changement de position de Mbélia, il vient rendre Paris plus imprévisible sur côté gauche là. C'est la goal en fait avec Dembélé qui vient repositionner. Barcelone vient ouais que bataille mi-temps terrain vient à perdre. Qui ça le fait? Lui opter pour une meilleure gestion du ballon. Parce que tu commences à gagner une fatigue et bien opter pour gestion ballon. Il rentre avec Félix. Il fait Rafinha à la droite, qui est à gauche. Il rentre avec Pedri. Deux joueurs dans gestion ballon qui sont très bon pour l'équipe là. Après ça, qui ça le fait? Il rentre avec Christensen. Quand il a goal fait à partir de joueurs, mais quand il a choix, au regard de ce que tu as fait là, c'est un gros coaching. Et c'est le plus gros coaching que vous avez fait depuis la saison commencée. Il a mis son match 2-2. Il a dit même bagarre là. Coaching là, t'es très intéressant.
Bravo, vous avez. Bon, selon toi, Paris 2, une très bonne option de qualification pour demi-finale pour l'équipe Barcelone. Mais Abdou, que Tap Tap Send et compagnie, télécharge l'application Tap Tap Send sur Google Play Store ou App Store pour vous l'argent par les familles en disant mon Haïti. Famille ou besoin mon canal Haïti, j'ai juste besoin de gagner mon cash élargi sur le téléphone. C'est 4 débuts que vous utilisez et l'on utilise pour mon code moyen KIMHAITI, KIMHAITI, vous gagnez 15 dollars sur la première transaction. L'automobile. Télécharge l'application de l'automobile sur Google Play Store pour placer Paris Sportif. Paris Simple, Paris Multiple, Paris Combo et puis l'autofoot. Swimsport TV, c'est compagnie qui permet de regarder des matchs sans problème. Beansport, RMC, ESPN, peu importe où tu es dans le monde, on bosse sur Internet. 20 dollars américains, le monde capable de mettre l'application sur laptop ou téléphone Android ou iPad. 912-436-0222. WAB Fontaine Immigration Service. Tout ça qui est pour vous avec immigration, asile politique, TPS, résidence, c'est Betty Fontaine. Betty Fontaine, c'est spécialiste en immigration. Asile politique, TPS, résidence, Betty Fontaine. Compagnie basée du côté de Fort Lauderdale. 20 années d'expérience pour Betty Fontaine. Relève le numéro ça, 754-740-4399.